me Derek was back. What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I assumed if you cared, you'd have found out. Well, I have found out. Jesus, you know Derek's not well. No? No, he's sick. He always was. He's always off getting involved in someone else's fight, making a fool of himself, betraying people, going into hiding. He's an idiot and a coward. It's not my business. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Okay, I got it, so... Now, he's gonna ruin my life. If it wasn't bad enough having a bunch of crooks for brothers, now I've got him threatening to talk to a journalist about his family, about me. Well, tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. I'd be a laughingstock. Cop. With the famous snitching traitor for a brother. You know, the crooks I can handle. See, that I can spin. But not this, not this. You got the big problem then. Me? We, my friend, we. You stop him. Stop? Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck you. No, fuck you, pal. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him. Make him a tragedy, not a disaster. Do it, or I will put you away. Oh, don't push me. Salut tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cet épisode numéro 41 de GTA 4. D'accord. Nico, thank fuck you, Ant. Frankie arranged to meet me at this park on Bismarck. I think he's gonna try to kill me. Cops can kill who they like. Do you know the place? Are you close? Can you get there in time? I think I can make the meeting. Oh, quel bordel! Quel bordel! Bon, et bon, on va y aller. Donne-moi ta voiture, toi. Ah ouais, donne-moi la voiture, ça va pas le faire. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On s'est retrouvé directement dans la mission pour gagner un peu de temps. Vu qu'en ce moment, je suis plutôt mauvais pour les missions. Et on va aller s'occuper de ces gens. Sacré nom d'une pipe. En bois, bien entendu. Hey Francis McCreary. Francis, I'm ready. What is the plan? Bah, je suis pas prêt encore, mais bon. Don't forget that I still got dirt on you. I know this ain't nice, but neither of us has a choice. Sounding like I got no choice. One McCreary brother is going to hit me to kill another. That's what I like to hear. Ouais. Il va falloir encore que je choisisse lequel je vais devoir tuer. Je sais pas plus comment elle est faite cette mission. On va voir. Valencel, alors. Enfin, je crois que j'ai encore un choix à faire. Je vérifierai lequel doit-on tuer pour. Oups, le flic. Ah, bordel. Lequel on doit tuer pour avoir 100% du jeu à compléter, enfin 100% de l'histoire débloquée. Parce que j'ai envie de faire tout l'entièreisation du let's play, tu vois. La base, quoi. La base. Et il y a des choix qui peuvent empêcher cette entièreisation. Donc voilà, ça poserait problème, quoi. On est bientôt arrivé. On vérifiera ça. La nacelle des laveurs de vitres. Elle est où? Ah, elle est tout en haut. Monte sur le toit avec la nacelle. Ouais, bah attends, on va semer les flics avant. Oh, je crois que c'est ici qu'il va se marier, Roman. J'ai entendu parler de ça. Épisode 41 de GTA 4. Je suis assez épaté du nombre d'épisodes, en fait.
Hop. Alors, il n'y a pas de flic ici, on a de la chance. On va faire le tour. Voilà, on est tranquille. Aide-moi à tourner, toi, merci. On va reprendre à gauche. Et on va retourner à la nacelle, au calme. J'ai pris un fusil de précision. Je suis allé à l'armurerie avant. Vous voyez que j'ai le gilet pare-balles sur moi. Et j'ai pensé à tout pour une fois. Hein. Eh, j'ai fait ça bien. J'ai fait ça bien. Alors la nacelle, elle est où la nacelle? Elle est pas là. Elle doit être par ici. Allez, monte. Allez, Nico. Hey, hey, baby. Oh, baby. Allez, on monte. On monte, on monte. On va commencer à chercher Francis ou Derrick. Attendez, Francis ou Derrick. GTA 4. Parce que j'ai déjà fait les deux choix, je pense. Mais... tu es Derrick. Alors, attends. Tuer Francis ne vous rapporte rien à part l'impossibilité de finir le jeu à 100% car ses missions ne seront qu'à 83,33. En tournant d'Eric, 10 000 $. Ok. Ayant tué Francis. Attendez, joli, hein, joli, il se passe rien pour vous. Pendant ce temps-là, on peut parler de papillons si vous voulez. Les papillons, c'est beau. Les papillons, c'est bleu. Les papillons, c'est jaune. Voilà. Voilà. Bon, alors, ils ont du mal à se décider. Ils ont du mal à se décider. Mais bon. Bon, on va tuer Derrick. Allez, YOLO. Bah, tu me diras, on peut vérifier ici, en fait, dans les stats. Nya, Francis, on en est à combien? 66%. Ouais, mais ça, c'est une mission de Francis, tu me diras. Derrick, on est à 100%, donc oui, on peut tuer. On va tuer Derrick. Allez, soyons fous. Voilà, on aurait pu vérifier comme ça, ce serait allé plus vite. Et ça vous aurait évité d'avoir un... Derrick, my brother. Enfin, voilà, quoi. Vous m'avez compris. Why didn't you call me? You could have slept on my couch. I'm doing real well for myself, real well. I'm sorry about how life turned out for you. Derrick, c'est lui, hein. Hein, c'est lui. Ouais, c'est lui. On va tuer Derrick, je crois. Ouais. Genre comme ça. Et là, tu tues les deux. Tu fais le troll. Police officer, come on, clear the area, clear the area. Derrick, shit. It's my brother. Ah, c'est triste. Il a l'air vachement triste. Bon, bah voilà, j'ai envie de tuer quelqu'un d'autre. Oh merde! Oh, ça annule la mission. Oh, t'es sérieux? Oh, ça annule la mission. Oh, j'arrête les fails. Oh, j'arrête les fails, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi? Putain. Oh là 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 là. Laisse-moi, toi. Oh, la tristesse. Oh, la tristesse du truc. Oui! Nico, thanks
Ah mais merde, mais mec, je vais te tuer quoi. Je vais te tuer, je dois retourner sur la nacelle. Mais oui, je suis arrivé à temps. Oh là 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 là. Non mais franchement, faut que j'arrête hein. Les fails comme ça, faut arrêter. J'arrête de faire le con après l'émission. Moi. Sans déconner quoi. Oh le fail. Je n'y crois pas. Merde. Avance. C'est pas maniable ces 4x4 là. Surtout sur une musique de la Reine des Neiges, c'est jamais maniable. Wow. Oh le tour. Oh le demi-tour qu'on t'a fait. Au calme. Francis. Je baille. T'inquiète. Ouais, j'étais en train de me gratter le bras, je peux pas tout faire. Hein. Sans déconner. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on va être arrêté par la police, on vient de rouler sur 15 personnes. Je vois pas où est le problème. C'était ici. Hop. La la la. Le mec il écoute la Reine des Neiges, il va aller tuer quelqu'un, c'est génial ça. Le mec est normal. Le mec est tout à fait normal. Ah non mais quel scandale quoi. Comment perdre 5 minutes de sa vie. Je suis désolé pour votre vie. Je viens de vous retirer 5 minutes de votre vie. Veuillez m'en excuser. Les cigarettes elles disparaissent quand vous les fumez. Ah pardon, je viens de te retirer 5 minutes de ta vie. Je suis désolé. Je t'ai cancer. Alors hop, nickel. Bon ça va, c'était pas trop loin. Ah, j'ai cru qu'il était pas... C'était pas bon. Hop, alors. On passe la cinématique, on la connaît. On vise. Ah, non, c'est pas par là, c'est par ici. D'accord. Voilà. J'ai envie de lui faire mal, de lui tirer d'abord dans le pied. Puis dans la tête. Et là, c'est bon. Ouais, on connaît. Bon, maintenant, je ne retire pas. Sauf si c'est sur un pigeon. Il y a des pigeons. Quelque part. Genre là. Si je tire là-dessus, c'est quoi? Oh, yeah. Descends du toit et barre-toi. Merde! Allez, on reprend la nacelle. Bon, il n'y a pas de policier ici. Il n'y a rien. Hop. Ah, ça la descend automatiquement, c'est trop cool. Si tu veux la réutiliser. Et oh, notre voiture est là. Génial. Génial, génial. Notre fidèle destrier. Et on est parti. On s'en va. Comme si de rien n'était. Bon, il va me saouler, lui. Je vais le doubler. Sur le drop de la musique, c'est parti. Ouais. J'ai doublé le monsieur. On va tourner ici. Là, on est tranquille. Ouh, il y a la police. Tourne. On est bon. Oui, sauvegarde. Et 10 000 $, comme ils avaient marqué sur le petit fourroum. Génial. Bon, on va enchaîner avec notre mission. On va aller ici. Voir Bernie. Pardon. I did what you wanted me to do. I killed your brother. I killed your father. Right, it happened right in front of me. I could feel you looking at me through that scope. Well, it's done. You and me are over. At least Jerry and Packy are honest about what they do. You're a crook, hiding behind his badge and the reputation. You know what, Frankie boy? I'm going to use that. I ever feel the heat on me, I'll call you. And you're going to make shit go away. Ah bah voilà, on peut faire baisser notre indice de recherche. Ça c'est bien comme atout. Petit bonus. Bon même si c'est moins drôle mais ça peut être plus rapide quoi. C'est cool. C'est correct de la part
de Francis McRae. C'est des fous, s'entretuent entre frères, quoi. Un frère, c'est un bro, quoi, c'est... Tu fais pas ça à ton frère, quoi, merde. Enfin, que ce soit l'un ou l'autre, hein, peu importe celui que j'aurais tué, ça se fait pas. Ouf, on a évité les flics de peu. On ne leur est pas rentré dedans, et tant mieux. Ok, nickel. Et j'ai raté l'entrée pendant que je lisais le SMS. Laissez-moi tourner. Voilà. Et on passe par là. C'est bizarre comme chemin quand même, hein. Je dois aller là. Nickel. C'est beau. Quelle belle cinématique. Oh putain. Bernie, what's wrong? Nothing, sweetie. Oh my god. Au moins on a pas rendez-vous dans son appart ce coup-ci, quoi. What? You could slice cheese on those puppies. I must be the only slob without cheekbones. Tu es triste? But you sounded hysterical. Oh, sometimes I can't bear to be alone. Mais il est sérieux? Oh là 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 là. I'm so excited. What are we doing here? We're going to have fun. Oh là 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 là. Yes. It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want me dead than alive. I'm working for the mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. What is fun? Il est pas content là. You are stressed. Oh. Goodbye, Florian. No, 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 you don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Lol. Catcheur professionnel. Ah bah putain. You understand me. Both of me. Come on. Bryce accidentally left the keys on purpose somewhere I could steal them. Mmh. You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. Oh là là. All right. Let's have fun. Ah, il me saoule, mais il me saoule. Go out toward that beach, Nico. Quand tu dis beach, tu le dis comment? Alors attendez. OK, on va faire le tour. Oh, il est relou quoi, il veut faire du bateau, s'il te plaît. My life is in turmoil. Bryce is pulling his hair out over this blackmail. Oh. His wife is getting on his back about yours truly. I think she suspects. It's a nightmare. I don't know how else I can help you. Look how long it took me to find you. I know, sweetie. Let's forget about him and have some F-U-N. Au calme. On est bientôt arrivé là, oui. Oui, 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 on est bientôt arrivé. Qu'est-ce qui va se passer? Liberty! City. Ahoy, sailor! Cute guys off the starport brow! À bibord? À bâbord, non? Scratch that! Not so cute! Rougeni Russi! Oh là là. Let me see. They don't look like they're on a pleasure cruise. Ah non, pas vraiment. Mais allez vous faire foutre! Allez vous faire point 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 point. On va les démonter. Bon, on vient de passer par là, donc normalement ça devrait aller. Ça me rappelle Just Cause ça. Allez, accélère, bateau de merde. No time for this. Oh là 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 là. Il bouge trop ce bateau, c'est pas possible ça. Allez, accélère, Nico.
Il va où, là? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Putain, il y a une radio aussi là-dessus. Tourne! Ah d'accord, elle est là-bas. Oh putain, il est loin. Oh, il est loin. On va galérer. Allez, rattrape. Oh non, mais il est relou ce bateau là, sauter comme ça. Tu peux pas viser avec. C'est pénible. Si pénible. Alors. Attendez-moi la Russie là, vous êtes un peu loin quand même. Alors, on passe entre deux petites péniches de haute facture. Putain, mais ce bateau me saoule. Voilà qu'on a les flics au cul maintenant. Oh là là, quel bordel. J'arrive pas à les rattraper. Hein. On va arrêter de tirer, on va accélérer un grand coup. Enfin là, je suis à fond, mais... Mais c'est vraiment la merde pour les rattraper. Et pour les viser aussi. Ah d'accord, c'est notre klaxon, ça. Oh là là. Putain, quel bordel! Coupez votre moteur de quoi? Pourquoi il y a la police ici? D'accord. Ouh! Calmez-vous. Ils ont combien d'étoiles derrière là? Friend. T'inquiète, je gère beaucoup mieux la terre. Oh là là. On est encore dans ce parc là, c'est pas possible, ça finit toujours dans un parc l'émission avec lui. Attendez, il est où? C'est lui qui se barre en courant là? Je vais me le faire. Je vais me le faire d'une violence. Attendez, il y en a un là-haut. Ils sont où? C'est pas possible ça. Ils retaillent les mecs, c'est pas croyable ça. Putain, muret de merde. J'entends un pigeon. Ah oui, il y en a un ici. Dans une de mes anciennes parties, je l'ai tué à cet endroit-là. Il est là, regardez, il va dépasser. Sors ta tête! La tête! Il est pas mort? Putain, il y a un lampadaire qui te sauve, mec. Dans la gorge, voilà, tu n'existes plus. Le suivant, il est un peu trop près pour utiliser le snipe. On va prendre le petit escalier. Il n'y a pas d'escalier. On va monter à la zeub. Voilà, c'en est fini de toi. En plus, il me donne de l'argent, c'est pas beau ça? Ah, moi j'aime bien quand ça se passe comme ça. Et le dernier. Il est où le dernier? Le dernier? Il est juste derrière, je crois. Oh! Monsieur! Monsieur, je dois vous tuer! Ouf, le gilet pare-balles fait du bien quand même. Voilà, retourne voir... Oh putain, faut que j'aille récupérer l'autre teubé. C'est pas possible, ça. Bernie, attends-moi. Bernie! Je suis toute folle à l'idée de te revoir. Oh là là. Eh, mais c'est un cimetière, en plus. C'est vachement glauque, ça. Je croyais que c'était un parc. C'est un cimetière, le bordel. Sans déconner. Attends-moi, Bernie. Nico, je sais pas comment il fait pour courir comme ça, le mec, il contrôle la gravité d'une violence. Ah, je sais.
fun day wasn't so very much fun. See you soon. See you soon. See you. Il part avec... Oh putain, je croyais que je pourrais le tuer. Je suis dégoûté. On voit pas le bateau ? Non, on voit pas le bateau. Génial, je suis vachement loin. Si on allait voir l'assassin, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Oh ! Non. Là, voilà. Putain. Faut se faire respecter un peu. L'assassin. J'ai plus envie de savoir ce que c'est que ce truc. Donc on va aller voir. Par contre, c'est à perpète. Ça a 20 km le truc. Sans déconner. Il m'a donné de l'argent ou pas? J'ai même pas regardé. Bon, attends. On va trouver une voiture. Voiture pas trop mal. Voiture plutôt jolie. Je suis genre celle-là. Tu m'as roulé sur le pied. Tu m'as roulé sur le pied. Donc je vais en faire de même. Voilà, là je t'ai roulé sur le pied en fait. Ah quoi que j'ai peut-être raté le pied, attends, je sais pas. Ça va le pied ou comment ça se passe? Donne-moi les sous. Bon bah ok. Allez, à plus. À plus. On va faire demi-tour. Et on va aller voir l'assassin. On va essayer d'y aller le plus vite possible. Parce que sinon, en fait, le temps qui reste d'épisode, ça va être le voyage jusqu'à là-bas, ça va être un peu pénible. Donc, YOLO. On fonce, les taxis vont vite dans le jeu, c'est plutôt cool. On évite les bouchons. Je pensais pouvoir pousser la voiture facilement, mais pas du tout, en fait. Hop, une vraie radio, s'il vous plaît. Merci. Voilà, un peu de trappe, ça fait du bien pour traverser la ville à fond. Wow. Putain, il m'a fait pousser. Il m'a poussé dans les véhicules. Voyons. Voilà. On est au calme, on est au calme. Voilà, regardez. Moi, je dis, on peut aller assez vite. On connaît les bails. Regardez. Le virage parfait. Il est là, le virage parfait. À 14 FPS, on a le droit à un ralenti en plus. C'est pas beau, ça? Ah là là. Bon. Allez, YOLO. Osef. Osef. On est bien là, à contresens. Moi j'aime bien. Je trouve ça plutôt beau. Barrez-vous. C'est relou quand même, 14 FPS, il tourne, le jeu, j'ai vérifié tout à l'heure, quand j'ai pas Fraps qui démarre, il tourne à 58 FPS, c'est comme Evoland en fait, dès que je démarre Fraps, il lag, c'est problématique. Mais bon, pas bien le choix. Pas bien le choix. Hop là, on se remet dans notre voie, là on tourne toujours à 14 FPS, le truc c'est qu'on va tellement vite que chaque image c'est 350 mètres dans le jeu, donc c'est assez chiant. Wouh! Alors j'ai dû tuer un flic au passage. J'ai pas fait exprès. Bon, vous voyez, désolé. Tu ne prendras pas ta voiture. Voilà. Eh oui, faut toujours que je foute la merde, mais bon, qu'est-ce que tu veux. On va pas prendre le tunnel. Oh bah dans le tunnel on est tranquille, nous rattraperons jamais. On le connaît le tunnel, On a fait une filature là-dedans. Regardez, ils ont déjà perdu, tu sais, donc... on est plutôt très bien. Laissez-moi passer. Eh oui, je suis pressé, moi. Toi aussi, laisse-moi passer. Hop. Ah, oh, vous êtes relou là, avancez, il n'y a pas de raison que vous soyez coincé, il n'y a personne. Putain, ils te font un tunnel à moitié autoroutier, au bout ils mettent un feu dès que tu sors, quoi. Qu'est-ce que tu veux que ça marche, leur délire là. Ah, les urbanistes de Liberty City,
Ils sont mauvais, hein. Ils sont très mauvais. Independence FM. Na 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 na. Hop. On est bientôt arrivé là, normalement. Bon, notre taxi est dans un état lamentable. Mais bon, c'est pas grave. Pour la beauté du geste. Il fait un bruit pourri aussi. On a un pneu crevage, non? Je sais pas, mais... Ah, ça aurait pu être le virage parfait, mais non. Voilà, comme ça on est sûr qu'il est bien pété et qu'il ne redémarrera pas. Hook, like, and striker. Hello. I'm a friend of Fields. La scène derrière. Oh, le génie. Ok. D'accord. Bon, on va faire ça, hein. On va faire ça. C'est bizarre quand même. Enfin, je sais pas. C'est pas un bonhomme. Enfin, il y a, hein. C'est pas un bonhomme, ça. Bon, on va aller voir. La cible est-elle loin ou pas? Oh, ça va, ça se fait. Oh, mon taxi pourri. Putain, il démarre encore, hein. C'est ouf, ça. Ça, c'est une voiture de killer. Ça, c'est une voiture de killer, attends. Ah ouais, elle est très, 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 très belle. Très, 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 très belle. Très, 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 très... Oh, putain, t'es sérieux. Oh, et voilà que ça prend feu, en plus. Quitte. Non, 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 non. Tu commences pas. Voilà, donnez-moi votre caisse. Voilà. Allez, on est parti. On est parti. Oh merde. Par contre, ça va me saouler ce bruit. Oh là là. Mais calmez-vous. J'ai fait quoi? J'ai tué deux flics. Putain, vous m'avez moins fait chier. Tu tues 30 civils, t'as une étoile? Tu tues deux flics, t'en as 15. C'est abusé, ça. C'est abusé. C'est abusé. Pourquoi je suis coincé? Pourquoi je suis coincé? Ah bah voilà. Là on est bien. Ça va, on va y arriver, on va y arriver. On est bien parti. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Là c'est la joie. En fait il nous manque la moitié de notre vie, ça va être pratique ça. On est censé être un assassin, il nous manque la moitié de notre vie quand on va faire notre mission. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Putain, l'hélicoptère, il arrive bien à nous suivre. Hein. Le mec, il connaît les bails. On va essayer de le semer, mais c'est pas si facile. Là. C'est pas si facile. Ah, une route en zigzag. Mais je connais cet endroit, non? Ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose. Ah, je me suis trompé de route. T'es sérieux? C'était par là. Bon, la police nous a pas suivis, ça c'est cool. Et on doit aller... On doit aller où? Ah d'accord! What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi on doit aller là-bas?
Bon. Allez, monte. Hop. Nah, YouTube, il va pas être... Je te le dis à chaque fois. Oh, non, mais... ouais. D'accord, il nous a repérés. On a rien dit, il nous a repérés. Encore une mission sur un bateau, t'es sérieux? J'aurais dû sortir le lance-roquette dès le début. Putain, il arrive à nous viser, lui. Attends, mais ils sont combien? Ils sont 1 ou 2? Ouh, en pleine tête. Et ben voilà. Le nettoyeur. Une petite série à 50 épisodes, c'est tout à fait mignon. Calme-toi la voiture. Et on va rentrer chez nous, on va se dire adieu. On va aller dans celle-là de maison, qui est la plus près. On va passer par en haut là, hop. Youhou! Voilà, j'espère que cette série vous plaît quand même assez. Ça commence à être long et puis GTA 4, il est un peu dépassé puisqu'on en est au 5 et on commence déjà à parler du 6 un petit peu, donc bon. Mais Rockstar a d'ailleurs confirmé qu'un GTA 6 serait développé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah bah nickel, il nous manquait une voiture ici. On va se garer. Ils ont... Attendez, on va mieux la garer. Ils ont confirmé ça, donc c'est plutôt génial. C'est plutôt génial. Ce sera un GTA ultra next-gen, je pense. Mais bon, c'est toujours cool. Hop. C'est toujours cool un GTA de très très haute définition. Déjà celui-là il est pas moche, le 5 il est super beau. Alors le 6 ça risque d'être de la tuerie. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain autre épisode de GTA 4. D'ici là portez-vous bien, à très bientôt. Ciao tout le monde.